Margot, your English teacher. How are you today? I'm very excited. Look, I'm on summer holiday at the beach. Bienvenue dans cet atelier d'anglais d'été, nature et mer. Alors, pour les 3-6 ans, on va chanter une chanson que les élèves adorent où on va apprendre 6 animaux marins. Autour de cette chanson, je te propose de fabriquer le masque et une couronne avec ces animaux marins. Tu trouveras en PDF les modèles de ces différents masques. Tu peux customiser, plastifier ou coller sur des assiettes en carton. Je t'explique tout dans l'atelier. Également, autour de cette chanson et de ces masques, tu peux faire un spectacle pour un soir d'été ou organiser, si tu es une maîtresse, un spectacle de fin d'année dans ton école ou dans ton club d'anglais. Ça peut être vraiment super sympa, donc n'hésite pas à voir la vidéo de mes élèves de leur petit spectacle. Pour les 4 ans et plus, j'ai sélectionné une vidéo YouTube où on apprend des choses sur les animaux marins. Le grand projet de cet atelier Nature et Mer, c'est de réaliser une fresque murale qui s'intitule Sky, Sea, Earth Fresco. Alors c'est une fresque qu'on a déjà réalisée quand j'avais mon club anglais. Donc tu retrouveras en PDF tous les animaux à découper et toutes les indications step by step, étape par étape, pour réaliser cette fresque murale marine. Donc cette fresque, tu vas la réaliser de A à Z avec des matériaux extrêmement simples et écologiques. Pour les enfants de 5-6 ans et plus, je te propose plein d'activités de DIY autour de galets de récupération et autres objets que tu vas récupérer, de la peinture à l'eau, des coquilles Saint-Jacques, du papier journal, du carton, etc. Une activité 100% respectueuse de l'environnement. Pour les enfants de 8-9 ans et plus, on va apprendre plein de choses intéressantes sur le plus grand océan de la planète grâce à un reportage que j'ai sélectionné pour toi sur YouTube. Également, on va apprendre des choses sur les requins. Est-ce que tu connais la différence entre le grand requin blanc et le requin marteau? J'ai sélectionné également pour toi des bandes annonces de grands dessins animés très très connus, genre Disney, Pixar, sur le monde marin. Je t'ai mis donc les bandes annonces en anglais, on dit teasers. Mes filles rigolent, c'est elles qui me filment. C'est pour ça que ça bouge. Dernière partie de cet atelier, Save the Sea, va vraiment t'aider à prendre conscience de l'importance de protéger notre magnifique mer et les océans de la planète. On a des choses, on peut tous faire des choses en fait, donc je vais te donner des astuces pour protéger la mer et ses animaux à l'aide notamment de films d'animation, mais également de petits reportages. En parlant de reportages, pour les 10 ans et plus, tu vas avoir un reportage sur la pollution des mers, sur la pollution à cause du plastique. Et donc je mets déjà un aperçu de cette leçon, de cette partie de leçon dans le blog. Comme ça tu peux partager également autour de toi à des amis qui ne sont pas forcément inscrits à cet atelier d'anglais d'été. Voilà, amusez-vous bien en anglais dans cet atelier nature et mer. Have fun, happy summer and see you next time. Bye! Avec des rouleaux de papier toilette et de la peinture à l'eau. Bon bah si tu bouges ça va le faire, là tu bouges. Est-ce que tu rigoles alors que je bouge pas du tout. Là, tu as bougé, c'était comme ça. Là, là, tu bouges. Là, tu recadres et tu ne vois plus le papier là. C'est toi qui m'as mis. Je vois plus. Passe le papier. Voilà. Alors, chut. Pour les enfants de 5-6 ans et plus, je te propose des DIY avec. Allez, c'est parti. Mais maman, ça filme depuis tout à l'heure, j'ai pas coupé, hein. J'ai sélectionné également pour toi plein de bandes annonces, des teasers de vidéos YouTube, comme des grands dessins animés style Disney, Pixar, sur le monde marin. Je vais recommencer les teasers. Je la refais. J'ai sélectionné pour toi également. J'ai sélectionné. Également sélectionné. Non, c'est pas bon. La dernière partie de cet atelier d'anglais nature et mer. La mer de qui? Non, mais j'ai remets le papier. J'ai eu un tic, ça fait vous. Remets le papier. Plus haut, s'il te plaît. Bon.